Salut à tous, c'est Mokey. Donc voilà, dans cette vidéo, c'était un peu bizarre donc ce qui s'est passé. Donc en fait, je faisais un petit Fortnite, je faisais une vidéo Fortnite et en fait, il y a des voisins qui m'ont vu avec des armes. Donc du coup, ils ont pensé à un braquage ou quelque chose comme ça. Et du coup, la gendarmerie est arrivée. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'est un peu bizarre. J'ai essayé de filmer le mieux que je pouvais avec la GoPro. Donc c'est difficile de filmer avec la GoPro comme ça, je peux pas. Et donc voilà, j'ai flouté les personnes. Parce que je devais les flouter, c'était des policiers quand même. Enfin bref, voilà, c'était un peu bizarre ce qui s'est passé. Donc je comprends pas pourquoi il y a eu la gendarmerie. Je vous laisse avec la vidéo. Tout début, il y aura du Fortnite, vous allez voir. En fait, je faisais un Fortnite avec mes potes. Et puis vous allez voir, en fait, quand il y aura la gendarmerie, ils seront devant. Et je vais sortir et puis vous allez voir. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Ciao. C'est une bleue, c'est une légendaire. Je ne sais pas si c'est une arme grise. Je sais qu'on va les voir, mais faut pas cacher les armes. Attends, on va les diriger. Il y en a qui sont devant. Bon, fils de pute. Il y a quelqu'un qui nous a donné les armes. En fait, je vous explique, il y a quelqu'un qui a dû appeler la gendarmerie, ils nous ont vu avec des armes. Et donc du coup, ils ont eu peur. Et du coup, la gendarmerie, juste devant, ils m'ont posé la question, j'ai dit non. Mais je vais essayer d'y retourner et filmer discrètement avec la GoPro. Oh, bâtard. C'est quoi ça? Je sais pas ce qu'on va avoir, mais de toute façon, c'est des fausses armes. Nous, à la base, on devait faire une vidéo Fortnite, mais bon, c'est des fausses armes, donc on va voir. Et attends, viens, on va poser là-bas. T'as clé de la cave, ouvre-moi. Ouais, donc bref. Donc voilà, vas-y, c'est parti. Voilà, attends. On leur dit nos prénoms ou pas nos prénoms? Non. On leur dit nos prénoms. Attends, je donne ma faux place. Kevin. Je sais pas, attends. Je trouve un prénom. Vas-y, t'as pas on dit qu'on n'a pas nos papiers sur nous. Vas-y. Parce que ça craint que les armes et tout, ils ont pensé qu'on était des gens qui allaient faire un braquage et tout. Allez, c'est parti.
voir. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont graves. Je sais pas c'est qui nous a vus. Bon, on va le temps qu'on laisse tomber. Attends, mais ça craint. De ma vie, je vais me changer ou pas? En fait, les gars, là, en fait, là, je suis avec mon pote. Et je pense que je vais aller me changer. Parce qu'on sait jamais, ils me disent, ouais, l'individu correspond à ses vêtements. Donc, je pense que je vais aller changer de pantalon et de veste. J'en ai là dans le sac. Et on va aller changer et puis on va aller les voir. On sait jamais ce qu'ils vont me dire, je sais pas. J'ai juste vu tout à l'heure, mais je me suis. C'est. Et donc voilà, quoi, je suis sûr que c'est pour nous. Et donc je pense que je vais aller me changer. Et voilà, la poisse, putain, la poisse. On est en train de tourner la vidéo tranquille. Donc là, en fait, si je sors par là, voilà, par ici, là, je suis dans la merde. Parce qu'en fait, c'est ici, ça va donner sur la porte directement. Vous voyez? Et ça va donner dehors, en fait. Ça va donner sur l'entrée dehors. Et ils sont juste ici. Donc c'est pour ça qu'en fait on parle pas trop fort. Et là il y a mon pote, il est parti regarder de l'autre côté en bas. Et donc voilà, c'est. Je pense que je vais aller me changer. Donc on se retrouve juste quand je me suis changé. Je vais changer de la veste et le pantalon. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve juste après. Voilà, j'ai changé aussi le haut. Voilà. Veste. Ben voilà, j'ai mis la veste, je me suis changé total. Voilà, pantalon et ça ici. Enfin bref, si un jour ça vous arrive, je vous conseille d'avoir des vêtements de rechange. On sait jamais, parce qu'en fait, à mon avis, ceux qui ont dû appeler la police, ils ont cru qu'on avait des armes. Ils ont donné la description de l'individu. Donc c'est pour ceux qui savent pas, c'est genre il est grand, gros. Il est brun de peau, il est noir, il est blanc. Il a tel ou tel vêtement de telle couleur. Donc voilà, là je me change au cas où pour qu'ils me disent pas quelque chose. Enfin, qu'ils me disent pas que je corresponds à ce qui est reçu à l'appel. Parce que j'ai pas envie d'aller en garde à vue tout simplement. Là, il y a mon pote, il est resté caché en bas. Voilà, là j'ai changé la veste, elle est juste là. Et voilà, je vous jure les gars, je vous ai dit la poisse. Bref, on y va en espérant que ça va pas. Ça va se passer tranquille et qu'ils pensent pas que ça soit nous, quoi. Parce que de toute façon, dans tous les cas, c'est des airsoft. Mais voilà, ça peut faire penser à quelque chose d'autre. Et je peux comprendre ça. Mais bon, je me suis changé quand même parce que j'ai pas envie d'aller en garde à vue. Moi, c'est mort. J'ai pas envie, c'est mort, mort, mort. Enfin bref, on se retrouve là-bas. Et je vais laisser la caméra à mon pote. Je vais essayer de filmer avec la GoPro. Donc voilà, on se retrouve là-bas directement. Et prions pour que ça ne se. Pas de garde à vue. Pas de garde à vue. Donc là, à ce moment-là, vous mettez pause, vous dites si je vais me faire embarquer ou pas, je sais pas. Donc c'est parti, on se retrouve là-bas. Putain, la poisse. Ah non, mais. Ah, ils sont toujours là, le temps qu'ils sortent de chez lui puis qu'il a gagné le terrain. C'est pas mort. Bon, on attend le bout. Non, j'ai toujours fait la casquette en plus. Je sais pas du tout. Ah, vous connaissez pas du tout? Non, je le connais pas. Moi, je vous ai dit, je viens de Paris. Là. Oh, vous l'avez pas fait du véhicule? Non, non, non. Ah, oui, c'est ça. Ça passe pas vous. Non, mais moi, je sais pas, on sait jamais. Je vous posais la 2 secondes et puis voilà, je vais vous faire. Bon, allez, on va se garer. C'est pour lui, hein. Mais comment il s'appelle l'individu? Et chaque fois qu'il se barre, c'est un des plus. Alors, après, c'est le pouvoir. Il commencera bien sa majorité. Allez, tu vas là-bas, toi. Il y a la deuxième patrouille qui est arrivée. Comme je vous ai dit, mais j'ai peur de les filmer en fait parce qu'on sait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vais faire semblant d'ouvrir le capot ou quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez la deuxième patrouille. Regardez, je sais pas si vous la voyez. Ah oui, ça craint, je crois, des gendarmes qui me filment. Qui me regarde. Je sais pas si vous me voyez bien moi là, et je sais pas si vous voyez aussi la gendarmerie juste derrière moi, mais je sais pas en fait, j'ai pas envie de regarder derrière moi, j'ai peur qu'il me filme. Donc c'est pour ça que je vous dis ça craint. Ah oui, il rigole pas, je vous le dis. Il rigole pas du tout.
C'est... J'essaierai de faire un zoom au montage. Vous voyez que ça fasse un gros gros angle. Et histoire de que vous voyez bien qu'il rigole pas, il... Vas-y.